Victor 14, 14, Mike Romer Victor, activation à tête Bravo 25, le nord-est de France, le département 54 à l'écoute. 14, il y a double alpha 017, séparateur, il court par Panima, activation Kerzel. Et attention à l'activation, là, pour le sud-ouest France, pour 14, Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi, qui vous lance appel. Là, il y en a trois qui m'attendent. Je prends un, je termine d'abord avec le Victor Echo, et en plus, je prends Oscar Delta QSL. QSL. Victor 154, l'opérateur Daniel, le nord-est de France à l'écoute. Oui, les bonnes 73 à vous de la part de 14 Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi du sud-ouest de France, secteur Saint-Émilion. Question la bataille qui vous envoie bien le bonjour. Affirmatif QSL. Et juste avant moi, vous avez entendu un copain là qui se trouve sur Bordeaux, là, c'est-à-dire 14 Victor Echo 27, là, que j'entends derrière, opérateur Eric. J'aimerais faire un petit retour de micro sur lui qui profite aussi de votre activation. Ben, en avant, Eric. Oui, merci Eric pour le retour. Disons ce qui se passe, c'est que vous êtes une station importante, donc forcément là ça écrase tout, hachis trois coups. Et c'est vrai que, ou alors vous parlez peut-être un petit peu près du micro. Alors quelles sont les conditions de trafic là, de votre côté là, pour l'expédition? Eh bien, avec la puissance du poste, c'est largement suffisant parce que de mon côté, c'est du 59. Enfin, quand je dis 5, c'est plus pour le volume de la radio. Parce que là, c'est vrai que vous êtes un peu écrasé. Mais bon, on arrive à vous sortir quand même. Alors, c'est du 59, là, actuellement, là, entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille. Je vous rappelle mon indicatif, 14 Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi, QRZ local sur la Gironde, Dundee 33. Voilà, et de mon côté, pour les conditions de trafic, j'ai un petit Yazoo FT450 AT, avec actuellement la puissance du poste, et une antenne, une Mantova 8 turbo, qui n'est pas très haute, là, juste à 9 mètres du sol. Voilà, j'ai absolument rien de plus. Hein. La 3 de l'eau,
Ok, d'accord, ouais, Eric, là, j'ai un QRM qui est en train de passer, là, sur le QTH. D'accord, ok, ouais, j'ai réussi à tout comprendre, quand même. Ah, c'est quand même pas mal comme station, là, effectivement, hein. Et autrement, de mon côté, là, pour le WX, eh bien, c'est du temps variable. Voilà, avec une sacrée baisse de température, puisqu'il y a quelques jours, on avait ici, sur le sud-ouest, 38 degrés, et là, j'ai regardé un instant, 23 degrés. Là, ça, le passage des orages là sur le sud-ouest, là, ont pas mal fait chuter quand même la température. J'espère que de votre côté, vous avez quand même un WX assez agréable là pour l'expédition. D'accord, ok Roger. Ah tiens, si ça vous intéresse, ainsi que les éventuels écouteurs, le 26 juillet prochain, avec le forum Les Ondes du Routier, on sera sur le salon radio de Marennes, département 17, et on va tenter de faire une activation là-bas, là, sur la journée. Alors, on va dire, enfin, je dis tenter, parce que tout dépendra si les OM là, du salon acceptera que l'on transmette ou pas, ou simplement que l'on reste en stand-by écoute. On verra bien sur place, de toute façon. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne veut pas gêner les radioamateurs qu'il y a sur place. Mais bon, on tentera le coup quand même de faire une activation depuis la salle polyvalente de Marennes. Et puis on verra bien, quoi. Ok, ben moi j'ai les deux. J'ai les deux, j'ai la carte QSL du groupe EDX ODR, Oscar Delta Romeo, plus la mienne perso. Et pour votre petite info, je suis actuellement là en train de faire une vidéo. Je pense que ça devra vous faire plaisir, que vous pourrez trouver là ensuite là sur YouTube. Ouais, d'accord, ok, ouais, bien reçu. J'ai Eric 14 Victor Echo 27 là, qui se resignale à nouveau derrière. Je lui repasse le micro en avant, Eric. Oui, affirmatif, Eric. Tout le matériel est prêt, hein, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais pas gêner davantage avec notre QSO personnel l'activation, car je pense qu'il doit y avoir pas mal de monde hein, qui lance des appels derrière, que je n'entends pas d'ailleurs ici sur le QTH. C'est bien dommage, car je suis assez mal placé. Je me trouve là dans un trou là sur le sud-ouest, et j'ai énormément de chance quand même de pouvoir vous entendre. Et je vais vous envoyer les bonnes 73-51 à l'ensemble du groupe et bonne continuité d'activation là sur. Vous faites ça sur combien de jours? Juste aujourd'hui? D'accord, ok, ça marche. Ok, bon, je vais vous laisser prendre les autres appels là, qu'il doit certainement y avoir derrière.
Donc je vous renouvelle les bonnes soirées 1351 à vous. Bonne continuité d'activation de la part de 14 Oscar Delta Romeo 002. QRZ local ici sur la Gironde, Dandy 33. C'est par Dandy 33 que vous pourrez me retrouver facilement sur Internet. Voilà, bonne activation, bonne journée et merci de ce petit contact. Bye bye, retour micro Eric, je t'ai entendu te signaler derrière. Ok, je te souhaite un bon courage pour ta vie pour le salon, voilà, j'ai pas de soucis. Le bonjour à ton cuisinier, merci pour le contact, et puis si on n'a pas l'occasion de se recopier d'ici là, bon courage, bonjour à Pascal, puis à tous les OMY que tu verras, voilà, sur le salon, de la part de 14 Victor et Covet, l'opérateur Eric, voilà. Merci également Eric, tu retrouveras tout ça également sur la vidéo. Bonne journée à vous tous, à la prochaine et bon contact. Oui Daniel, en avant les bandes 73. 73 et bonnes amitiés des 14 Macronio Victor, 154 Daniel, c'est le nord-est de France avec les bonnes amitiés, 310 vaisseaux. Hein. Après 58, 59, 54, et c'est ça le retour. Ok, merci pour le retour. Vous êtes en même temps avec l'expédition? Oui, la station, il y a une expédition sur la fréquence. Je vous propose qu'on fasse un QSY sur la fréquence de votre choix. 940, hein, moi de mon côté, c'est la station. 940, c'est possible. 940? Ok, c'est parti. Oui, la station, là, les bandes 73 à vous, voilà, je suis sur le, si j'ai bien compris la fréquence 27-940, les bandes 73-51 à vous, de la part de 14 Oscar Delta Romeo 002, QRZ local sur la Gironde, Dandy 33. 60% que ça, il y a pour la Gironde, il n'y a pas de problème, hein, 73, il n'y a pas de meilleur, c'est vrai que c'est avec ces calmes-là, c'est pour tout le monde en profite de la propose, c'est pour ça que c'est une fréquence cassée libre, des 14, 5 Romeo Victor, 154 Daniel, hein. C'est le nord-est de France. Ben, j'entendais pas l'activation qui était RS, parce que moi, je suis en activation aussi, au C Bravo 25, là. Alors, c'est pour ça, j'avais pas compris, là, mais j'entendais pas. Là. On attend beaucoup de monde derrière, mais bon, c'est vrai que ça passe un peu de, un peu partout, là. Faut pas que c'est bien ouvert sur les départements, là. Alors, la QSL est retour. Ok, 100% QSL. Alors le plus drôle, c'est que vous êtes à deux sur la même fréquence en activation, et l'un l'autre, visiblement, ne s'entendent pas. Puisque les autres du département 59, là, ben, a priori, c'est pareil, ne vous entendent pas. Hein. c'est pour ça qu'au départ, je pensais que vous étiez tous les deux ensemble. C'est le département 59, c'est ça, retour? Oui, l'activation, là, là où j'étais sur la fréquence, là, en dessous, ouais, oui, affirmatif, c'est bien ça. Ouais, affirmatif, 100% QSL. Eh bien, oui, c'est vrai que là, avec, avec le passage là, des orages, de tout ça, là, la propague est revenue en force. Alors que je vois, c'est jeudi dernier, par exemple, là, c'était vraiment le calme plat. Hein. Là, la propague était à zéro, et puis de jour au lendemain, paf, ça y est, ça repasse comme un boulet de canon. Hein. 100% QSL, là, là, un peu tiré, mais moi, ça n'a pas la propague, là, de mon côté. C'est vrai que ça passe pas, hein, de mon côté, ça va, ça passe de pareil qu'un jour. On est en train de bien la 30, la 173, mais pas les départements. C'est vrai, depuis hier, depuis 10 heures, là, hier, ben, ouais, ça passe dans des bonnes conditions. Hein, voilà, non, je sais le prénom, et puis si on peut revenir sur la ligne, si je suis en activation aussi, moi, de mon côté, on fait Bravo 25 à Mac Romeo Victor, hein, sans contribution. Je sais pas si les fois vous êtes intéressés pour un progressif, participer à l'activation, on va faire le retour.
Oui, pourquoi pas, 100% QSL, d'autant plus que là, je suis en train de faire là, une petite vidéo. Donc là, ben, j'ai les deux activations là, en même temps là, sur la vidéo, c'est super QRO. Mon but de mes vidéos, c'est en même temps de promouvoir et redynamiser la CB. Voilà, très précisément, de faire redécouvrir aux anciens la CB, faire carrément découvrir au nouveau la CB. Le 26 juillet prochain, je serai sur le salon de Marennes, à la salle polyvalente, là au salon Radio Amateur. Là, on a tout un stand, là, tout un stand de CB avec démonstration et tout ce qui s'ensuit, là, qu'on fera sur place. Une antenne sera branchée également. Et il n'y a pas de problème hein, pour votre activation. Il n'y a aucun problème, hein, je suis. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Il y a un progressif, comme ça passe bien. Eh bien c'est très long. Ben, moi, je pense qu'il y a du monde qui vous connaîtra. Là, si c'est enregistré, là, moi, de mon côté, moi, de mon côté, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on m'a dit, depuis 95. On était chez les Golf et Golf aussi, de notre côté, un 443 Daniel, là. Donc, c'est vrai que on a connu un petit peu partout les départements. Donc, l'activation, hein, donc, avec la notée, là, voilà, l'activation est 14, Mike Romeo Victor. Hôtel Bravo 25, préparation 154. Hein. Et le progressif, ce sera le départ numéro 33. Hein. Progressif, 33e, la QSL, retour. Affirmatif, 100% QSL. Ça me sera facile de retrouver ça sur la vidéo, HI. Comme ça, là, c'est bien pratique, comme ça, j'ai pas besoin de prendre de notes. J'ai juste à réécouter la vidéo et je pourrai reprendre tout ça au calme. Voilà, il n'y a pas de problème. Et 33, ben ça tombe bien, 33, là, je risque pas d'oublier celui-là. Hachi. Et autrement, quel est votre matériel utilisé là sur votre activation? L'activation, donc, j'ai les coordonnées. L'activation est 14, Mike Romeo Victor, Hôtel Bravo 25. Hein. 25e anniversaire du groupe, là, à de mon côté. Hein. Donc, dans 14, Mike Romeo Victor, Hôtel Bravo 25, séparation. 154, hein. Voilà, donc la poste postale est 11-34, poste postale 11-34, le Charlie Papa est 64-011, 64-011, et la ville, cette poste est descendue, QSL, retour. Ouais, 100% QSL, ou presque, puisque là, j'ai de temps en temps un petit QRM qui passe. Mais bon, il n'y a pas de problème, hein, j'ai tout ça là sur la vidéo, je pourrais réécouter plusieurs fois et pouvoir recopier tout ça au propre. Non, pas de problème, voilà, activation, ça me fait sûr, hein, là, de mon côté, là, ça passe par la poste postale, et puis c'est après, c'est moi qui réponds. Vous voyez, c'est directement du 54 sur Fougue, hein, poste uniforme gauche, hein. Voilà, c'est 54, là, c'est au point voilà, négatif que je puisse remarquer, là, que j'ai fait autour. Oui, affirmatif, 100% QSL. Alors, mon indicatif, c'est 14 Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi, Romeo Comac Yankee. Vous pouvez me trouver facilement sur Internet en tapant tout simplement mon QRZ local, là ici sur la Gironde, Dandy 33. Alors c'est facile à se souvenir. Vous pensez à Crocodile Dandy, vous jetez le croco, vous mettez à la place et ça vous donne Dandy 33. Voilà, chier trois coups. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Oui, de mon côté, la station, eh bien, c'est un petit Yazu FT450AT. Avec, là, j'ai simplement la puissance du poste, hein, c'est tout. Hein. Avec comme antenne, je suis en vertical. Avec une Sigma Mantova 8 turbo, qui est pas très haute, à 9 mètres du sol. Et pour le WX, eh bien, c'est du temps variable, hein, avec une température de 23 degrés, alors qu'il y a quelques jours, là, on avait 38, hein, quand même, ici, là, sur le QTH. On pourra revenir pour le département, là. De mon côté, il y a pas de problème, 100%. De mon côté, c'est pareil, il y a des 857, micro-ondes des 100. Et en 99 avec les 8 radians là, avec 61 watts, hein, de mon côté, un peu plus, on peut mettre 100 watts, mais vu qu'il n'y a pas de bonne là, de mon côté, il n'y a pas besoin de mettre 30 watts, ça arrive à passer dans des bonnes conditions. Hein. Moi, je sais que tout à l'heure, on a laissé un contact, qui était en mobile, il y avait 250 watts, ben, il mettait 58, 59 là. Alors, en fait, c'est un peu moins fort, mais un peu moins de watts là quand même, de mon côté.
c'est vrai qu'il faut qu'on règle bien les antennes, les petits postes, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre trop de doigts, trop pas de là. Hein. Voilà, on s'en peut aller au département, les numéros. Ah, il y a pas mal de surmodulation derrière. Hein. Alors, de temps en temps, là, pour vous, c'est, ça me donne du 57, ça descend hein, du 43, 33, ça dépend un petit peu la surmodulation qu'il y a derrière. Pour moi, mon département, c'est le département 33, Sud-Ouest France, département 33, la Gironde. Et je me trouve très précisément entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille. D'accord, ok. J'ai l'impression qu'il y a une petite surmodulation qui est provenant de l'AM derrière. Là, vu ce que ça donne, par moment, c'est assez moyen. Alors, vous me parlez du département 24. Eh bien, ça tombe bien parce que je suis juste en limite frontière. Hachi, je dois être à quoi je suis à 5 km de Castillon-la-Bataille. La limite de département tombe juste un peu plus loin après. Donc là, je suis vraiment très près du département 24. Affirmatif, 100% QSL. Pendant que j'y pense, pouvez-vous me redonner les coordonnées de votre boîte postale? Car je ne suis pas sûr que ce soit bien pris dans la vidéo. Donc, au cas où, pouvez-vous me les redonner que je puisse les recopier correctement, s'il vous plaît? J'ai pas bien compris la ville. Tout le message est bien passé, mais la ville, elle a été bouffée. J'ai pas compris la ville. La ville c'est faux, hein. La ville c'est faux, papa, elle fait uniforme. La ville c'est faux, papa, elle fait uniforme, elle fait uniforme. Pau, la ville de Pau? Ah d'accord, ok. Donc là, vous êtes pas du tout au même endroit alors. Vous êtes. Ah zut, j'ai déjà zappé, quoi. Vous êtes sur quel QTH actuellement là pour l'activation? Oui, oui, affirmatif, c'est bien Roger, c'est bien QSL, il n'y a pas de problème. Non, ce que j'ai zappé, c'est le QTH de votre activation. QTH du département 54 et la ville se fouille, hein. Foxtrot, Oscar Uniforme Golf, qui se trouve à 30 km de Nancy, la limite du département 55. Hein. La ville se fouche 54, c'est la Meurthe-et-Moselle, Rémi Retour. Ok, d'accord, 100% QSL. D'accord, c'est bon, là, j'ai tout ça, il n'y a pas de problème. Ok, je ne vais pas vous retarder plus longtemps, car j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de monde là qui essaie de vous contacter. Hein. Ok, d'accord. Ouais, je vous entendais dire tout à l'heure que vous étiez sur la fréquence depuis 1990 de mémoire.
Eh bien, pour ma part, j'y suis depuis 1982. Donc j'ai commencé avec les 22 canaux FM. Et mon premier contact DX s'est fait en été 1983, dans des conditions assez abracadabrantes, c'est-à-dire une antenne de pouce posée sur une valise en alu. J'étais sur le QTH d'Orléans et j'avais réussi à faire le Liban comme ça. Et ça, c'était mon premier contact BLU. Et on s'en souvient quand même. Hein. Ok, bon, j'ai à peu près eu QSL de l'ensemble du message. Je sais pas si c'est de mon côté ou quoi, mais j'ai un souci, a priori, il y a l'air d'y avoir des stations en AM. Je sais pas trop, ou alors, je sais pas, peut-être une balise. Il y a quelque chose qui me perturbe de mon côté, qui est presque à vous couvrir. Alors, je vais vous laisser continuer votre contest. Merci beaucoup, là, pour ce contact. Les bonnes sur 1351 à vous, la bonne journée en espérant que de votre côté le WX soit du côté du beau quand même, c'est quand même nettement mieux, hein. Hachi, et encore merci, hein, et bonne journée, bye. Ok, d'accord, merci beaucoup, les bonnes 73 et bonne journée.